chers téléspectateurs, nous sommes ici présents à Marrakech toujours, la Web TV est présente. On réalise une série d'interviews à l'occasion du premier forum africain sur la sécurité routière. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité sur le plateau de la Web TV M. Sidiki Konaté Mamadou. Vous êtes le... Bienvenue monsieur, merci. Déjà. Merci. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière au Mali, mais en même temps vous êtes le président de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Donc, une toute première question, un aperçu sur les deux entités que vous représentez ici au Forum africain sur la sécurité routière. Merci pour cette question. Avant de commencer, je tiens à féliciter et à remercier le gouvernement marocain et à travers le ministère chargé des Transports et tous les organisateurs liés à cet événement. C'était un événement grandiose, comme vous l'avez constaté. Et vraiment, c'était ici, on est présent à un lieu, à un haut lieu de rencontre qui méritait d'être organisé. Donc, bravo, félicitations et remerciements au gouvernement marocain. Et pour ce qui concerne l'Agence nationale de la sécurité routière au Mali, c'est une agence qui a été créée depuis 2009. C'est pour répondre à des soucis de sécurité routière que le Mali, à l'instar de beaucoup d'autres pays, a opté pour la création de cette agence pour faire face aux questions spécifiques de sécurité routière au Mali. Donc c'est aussi une recommandation de l'UMOA qui a demandé à ce que tous les États membres de l'UMOA créent cet organisme de sécurité routière dans tous les États. Mais aussi une recommandation des Nations Unies également. D'accord. Parce que quand on analyse un peu les 5 piliers de la décennie d'action de sécurité routière, le premier pilier qui est la gestion de la sécurité routière parle de la création des agences de sécurité routière au niveau de chaque État. Donc c'est pour répondre à ces soucis que le Mali a opté pour la création de cette agence depuis 2009 pour efficacement faire face à ce problème d'insécurité routière qui est un problème évolutif, il ne faudra pas l'oublier. Donc c'est compte tenu de cela que le Mali se trouve aussi dans une organisation qui est la CEDEAO. Je crois que ce sera la prochaine question quand on aura posé la question, je répondrai à cette question. Mais pour le moment, l'Agence nationale de sécurité routière latine est une agence qui est dotée des ressources spécifiques et aussi des personnels qualifiés pour travailler efficacement. Cette agence relève du ministère des Transports au Mali. D'accord. Quelle est la valeur ajoutée pour vous, pour votre participation à ce forum quand même? Et ce forum vraiment des... Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Nous attendons beaucoup de ce forum. Et déjà, si je peux me permettre, depuis notre arrivée jusqu'ici, on voit que beaucoup de choses sont en train d'évoluer. C'est quoi? C'est déjà le partage d'expériences qui est extrêmement important. Ouais. Et nous voyons, c'est la rencontre de plusieurs expériences ici. Les expériences de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre, de l'Afrique du Sud, vous voyez que c'est... Et on essaie de faire voir les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, moi j'ai beaucoup appris de certains pays pour de bonnes pratiques en matière de gestion des soucis de sécurité routière que nous avons au Mali. Et d'autres pays également profiteront des bienfaits, disons, des bonnes pratiques du Mali. Donc c'est comme ça qu'ensemble, on peut évoluer. Et au-delà des pratiques de partage d'expérience et de bonnes pratiques, on est là pour trouver des solutions à un problème. Exactement. Le problème, c'est d'où le nom même du forum. On propose des solutions. Et des solutions adaptées au contexte africain. Exactement, au contexte. Parce qu'il ne faudra pas oublier que le problème d'insécurité routière peut être spécifique d'un État à un autre. Le Maroc peut ne pas avoir exactement le même problème d'insécurité routière spécifiquement comme le Mali et comme d'autres pays. Donc chacun de son côté voit comment les choses peuvent être organisées de manière harmonisée pour évoluer. Monsieur Sidiki, comme j'ai annoncé au début, vous portez une autre casquette. Vous êtes le président de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher encore plus des attributions, des missions de cette organisation? Et je crois que vous êtes conférencier aussi. Je suis panéliste cet après-midi. Panéliste, exactement. Exactement. Donc c'est pour dire que, je le disais tantôt, nous sommes dans une autre organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Et l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest a été créée par la CEDEAO. Ça a été créé par la CEDEAO en 2008. Et depuis sa création, cette organisation a eu comme mission
de jouer un rôle de coordination, entre les différents pays, les différentes structures de sécurité routière dans les pays, et aussi accompagner les associations et les ONG de sécurité routière qui évoluent dans l'espace CEDEAO pour harmoniser les stratégies et afin de continuer à combattre ce fléau. Donc c'est une organisation qui a son siège à Abuja au Nigeria, et le Mali assure la deuxième fois la présidence de cette organisation, parce que c'était le Nigeria qui a assuré la présidence, et puis le Mali maintenant assure la présidence pour un mandat de 4 ans, et le Mali a été élu depuis 2016. Donc chaque année, cette organisation organise une assemblée générale dans un état de la CEDEAO pour échanger sur les questions de sécurité routière afin d'harmoniser les stratégies, parce que là, c'est une question extrêmement importante. Exactement. Pour avancer. Parce que nous avons constaté que au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a la question de... C'était ma question, votre expérience de l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir la sécurité routière. Justement, parce qu'il faut aller d'abord à partir des constats. Le constat, c'est quoi? C'est qu'en Afrique de l'Ouest, les États n'ont pas les mêmes niveaux d'évolution. Sur les 15 États de la CEDEAO, peut-être qu'il y a plus de 5 pays encore qui n'ont pas encore créer des agences de sécurité routière dans leur pays. Donc vous voyez que ça devient encore délicat. Parce que la première des choses, pour mieux lutter contre ce fléau, il faut créer des structures spécifiques. Exactement. Qui peuvent efficacement lutter contre harmoniser ce fléau-là. Harmoniser maintenant les stratégies de lutte contre l'insécurité routière. Monsieur Sidéki, ça nous mène, quelle est votre interprétation pour ce taux qui est très élevé en Afrique des accidents mortels au niveau mondial quand même, alors que le taux de motorisation est le plus faible? Exactement. Le problème, c'est que à cela, il faut voir le problème. Est-ce que c'est faute d'infrastructure ou Non, c'est pas. Sensibilisation. Oui, il y a tout ça là-dedans, mais d'une manière globale, il faut aller à une implication forte de politique. Pourquoi? Parce que les questions de sécurité routière dans beaucoup de pays encore ne sont pas de la priorité. Voilà pourquoi les choses évoluent d'une manière en dents de scie, parce qu'on voit dans certains pays ça va, dans d'autres pays ça ne va pas. Prenons le cas du Nigeria. Le Nigeria est très puissant en Afrique de l'Ouest en matière de sécurité routière, mais d'autres pays qui font frontière avec le Nigeria peut-être n'ont pas les mêmes. Exactement. Le Niger, qui est juste à côté de Nigeria, vient de créer son agence de sécurité routière cette année. Alors que le Nigeria est un géant de la sécurité routière. Donc vous voyez que ça évolue en dents de scie. Donc tant que tous les États n'ont pas amorcé un élan harmonisé, ça devient difficile. Mais le chiffre élevé des tués, tout ce que je viens de dire ne justifie aucunement ce nombre élevé de tués. Il faut reconnaître que cela résulte de beaucoup de facteurs. Je sais que c'est un problème complexe. Exactement. Le premier contexte d'abord, c'est que les États n'ont pas un système, beaucoup d'États, je ne dis pas tous les États, mais beaucoup d'États n'ont pas encore un système efficace d'information sur les accidents de la route. Et c'est un problème majeur. Je crois qu'on va revenir là-dessus par rapport à l'Observatoire. Et encore, il faut reconnaître que nous sommes des pays qui importons beaucoup les véhicules déjà amortis dans d'autres continents, dans d'autres pays. Donc tant que cela continue, ça va être un peu difficile. Il y a juste 2 semaines, on était à Ouagadougou. On était en train de parler avec le comité international d'inspection technique automobile pour un peu booster ce secteur-là, pour que le contrôle technique puisse être vraiment une réalité et que les gens adhèrent à ce phénomène. Il faut que les gens acceptent d'amener les véhicules au contrôle technique. Et puis, il faut que le contrôle technique aussi propose des équipements modernes, des équipements innovants qui puissent permettre réellement de bien contrôler les véhicules et d'attester les véhicules en bon état dans la circulation. Monsieur Sadeki, ça nous mène, désolé de vous interrompre, ça nous mène à une question. Est-ce que vous voyez l'opportunité d'établir une stratégie régionale qui comporte tous les pays africains pour promouvoir la sécurité routière? Tout à fait. Il faut cela. Il faut obligatoirement une stratégie africaine. Pourquoi? Je crois que l'Union africaine, au niveau du sommet de l'Union africaine, déjà, on est en train de se préparer. Je crois que la semaine prochaine, il est déjà prévu une réunion de haut niveau, au niveau de Addis Abeba, où tous les États africains vont être présents pour évaluer un peu les questions de sécurité routière dans chaque pays. Et au-delà de ça,
nous sommes aujourd'hui là à Marrakech et vous voyez que un point fort de la rencontre de Marrakech va être le lancement de l'Observatoire africain. Exactement. L'Observatoire africain pour la sécurité routière est un outil indispensable aujourd'hui. Indispensable aujourd'hui dans l'avancement de l'amélioration de la sécurité routière en Afrique. Dans quelle mesure ça ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas travailler sans statistiques. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer sans les chiffres. Et cet observatoire va être un outil qui pourra avoir... Ça permet d'avoir une vision. Exactement, une vision de l'accentologie au niveau de l'Afrique. Dans chaque région de l'Afrique, voilà l'évolution de la question. Fiable. Exactement, des questions, ouais. Justement, parce que cet observatoire va traiter des informations fiables des accidents de la circulation routière. Donc, je pense que le lancement de cet observatoire est aujourd'hui une nécessité. Et il faudra que, je crois d'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de pays ont accepté d'être présents. Exactement. Ici, pour vraiment être présents au lancement de cet observatoire. Et bravo encore une fois au gouvernement marocain d'avoir accepté de recevoir toute l'Afrique ici pour cette question-là. Et je crois que cet observatoire va être un outil, un instrument qui va vraiment fédérer les États et qui va être un outil qui pourra donner les tendances vraiment des questions de sécurité routière, de l'évolution de l'accidentologie pour permettre aux décideurs vraiment de faire un choix qui n'est autre que engager les États dans la lutte contre la sécurité routière. Monsieur Sédéki Konaté Mamadou, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, pour le temps que vous avez consacré à la Web TV. Le débat était très fructueux avec vous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci Monsieur Sédéki. Merci mes chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir l'interview sur le site web du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. À très bientôt.